Exode, chapitre 24. Et il dit à Moïse Monte vers le Seigneur, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous adorerez de loin. Et Moïse seul doit aller près du Seigneur, mais eux ne doivent pas s'approcher, ni le peuple ne doit monter avec lui. Et Moïse alla et raconta au peuple toutes les paroles du Seigneur, et tous les jugements, et tout le peuple répondit d'une seule voix, et dit Toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, et il se leva tôt le matin et bâtit un autel au pied de la colline, et douze colonnes, selon les douze tribus d'Israël. Et il envoya les jeunes hommes des enfants d'Israël, lesquels offrirent des offrandes consumées, et sacrifièrent des bœufs en offrande de paix au Seigneur. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang il aspergea sur l'autel. Et il prit le livre de l'alliance, et le lut à l'attention du peuple, et ils dirent, ⁇ Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et serons obéissants. ⁇ Et Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple, et dit, ⁇ Voici le sang de l'alliance, laquelle le Seigneur a faite avec vous concernant toutes ces paroles. ⁇ puis montèrent Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël, et il y avait sous ses pieds comme un ouvrage pavé de pierre de saphir, et comme si c'était la substance du ciel en sa clarté. Et sur les nobles d'entre les enfants d'Israël il ne posa pas sa main, aussi ils virent Dieu, et mangèrent et burent. Et le Seigneur dit à Moïse, Monte vers moi sur le mont et sois là, et je vais te donner des tables de pierre et une loi et les commandements que j'ai écrits, afin que tu puisses les enseigner. Et Moïse se leva, et son assistant Josué, et Moïse monta sur le mont de Dieu. Et il dit aux anciens, Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous, et, voici, Aaron et Hur sont avec vous, si un homme a quelque affaire à régler, qu'il aille vers eux. Et Moïse monta sur le mont et un nuage couvrit le mont. Et la gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï, et le nuage le couvrit pendant six jours, et au septième jour il appela Moïse du milieu du nuage. Et la vue de la gloire du Seigneur était comme un feu dévorant sur le sommet du mont aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu du nuage et monta sur le mont, et Moïse fut sur le mont quarante jours et quarante nuits.